Hello again. Today I want to talk about this subject. Décrivez un lieu que vous avez visité pour la première fois la semaine dernière. Describe a place that you have visited for the first time in the last week. OK, let's begin. L'endroit que je veux décrire est un nouveau centre commercial près de l'aéroport que j'ai visité récemment. Récemment means recently. The place that I want to describe is a new mall. Centre commercial is a mall. Near the airport, de l'aéroport, près de, is near. Que j'ai visité récemment. Centre commercial is masculine. So, when I'm using it as an object, I say que j'ai visité. If it was feminine, I had to use another E. Okay? Récemment. Je l'ai beaucoup aimé. I liked a lot. Il y avait un très grand parking. You see? Très grand is used before the noun. It's an adjective. In French, most of the words are... most of the adjectives are used after the noun. But there are some of them like grand, which are used before the noun. Dans ce centre, il y avait de nombreux magasins, y compris means including des magasins de vêtements, chaussures, lunettes, it's glasses, et jouets pour enfants, toys. Il y avait des cafés, des restaurants, un cinéma, des cafés, restaurants, cinéma, hypermarché, hypermarket, où je faisais mes courses. Faire les courses is actually to do the shopping. Okay. Le centre était bien organisé. À droite et à gauche. À droite, vous trouverez you could find des appareils ménagers. They are home appliances. Des ordinateurs et des accessoires. Ainsi que means as well as. If you want to use as well as, you can say ainsi que une. But they are merged into one word. Qu'une section consacrée. Section is feminine, so the adjective is feminine to consacré au téléviseur. Téléviseur is plural, so instead of aller, we have to use au. Et au téléphone portable. Téléphone portable is also plural. Okay, we talked about à droite, which is on the right. Now I want to talk about à gauche. Il y avait une librairie. Librairie is not library, it's bookstore. Et une papeterie, a stationery store, une pâtisserie, a pastry shop, boulangerie, a bakery. Puis, and after that, des couloirs, corridors, avec différents produits, different products. Il y avait des signes ou des panneaux pour indiquer, pour, is used for purpose, les différents domaines, different areas, et la direction à leur disposition. The disposal. Tout était rangé, everything was stored or arranged sur les étagères, on the shelf. Les prix étaient bien affichés, prices were well posted and abordable. Abordable is affordable. Il y avait aussi une place pour les enfants à jouer. A place for children to play. À l'intérieur, inside that, il y avait des toboggans. Toboggans with slides. Et des balançoires, swings, que mon fils aimait beaucoup. That my son loved. Que, because toboggans et balançoires sont objets. They are objects, they are not subjects. Il y avait une zone de sable.
sand area où is where les enfants pouvaient construire, build des châteaux de sable. Châteaux de sable, sand castles. See, it was not that difficult. So just relax and try to concentrate on the subject. If you have any questions, leave your questions in my channel and on the comment area.